Chers amis des réseaux sociaux, bonjour et merci de vous abonner sur AT Communication pour plus de visions professionnelles. Nous sommes dans Newsday. Côte d'Ivoire, le chef du village de l'île Boule 2 au cœur de la fête des mères. Vous suivez Newsday. C'est dans l'ambiance que Emmanuel Kouao, chef de l'île Boule 2, a fait son entrée le samedi dernier lors de la cérémonie de la fête des mères avec les momos de cette île et environnants. Depuis l'existence de cette île, c'est la première fois pour ces momos de se retrouver ensemble pour être honorés. Je pense qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour nous parce qu'on honore notre femme de l'île Boule 2. On a décidé comme ça au niveau de la chefferie, à ma voix, pour dire à les femmes, on va les honorer, on va leur donner des cadeaux, des pagnes, et le vin, on va leur donner 2 millions, 3 millions pour les activités au niveau de les femmes. Parce qu'il n'y a pas d'activité à l'île bleue pour que les femmes puissent se débrouiller un peu avec. Emmanuel Kouao, à travers cette journée, a magnifié les moments avec des prisons et la somme de 3 millions de francs CFA pour démontrer son amour à ces moments. Toutes les femmes de l'île Boule 2, par ma voix, vous remercie pour tout, pour votre motivation et tout ce que vous faites pour nous. Les femmes de l'île Boule 2, nous prions le bon Dieu de vous combler de toutes ses grâces et de tout bonheur. Je remercie beaucoup tout ce qui te nous est fait pour l'année là. On prie pour toi, Dieu de cas te donne longue vie. Tu vas faire que ça encore pour nous donner. Les jeunes de l'île Boule 2 ont accompagné le chef Emmanuel Kouao à ce grand rendez-vous extraordinaire pour les habitants. Par contre, pour accéder où nous sommes aujourd'hui, il faut passer par le village de Nyangolokwa. Parce que nous sommes plus proches de Nyangolokwa. Il faut dire aussi que l'île Boule s'étend sur une superficie de 2000 hectares. Et l'île Boule est répartie en deux sections. Il y a l'île Boule 1 et l'île Boule 2. Et nous sommes présentement sur l'île Boule 2. La rencontre était couronnée de chants et danses traditionnelles et modernes. C'était Newsday sur AT Communication avec Angeline Aïcha depuis la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Vous suivez Newsday.